Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Je vais aller faire le tour des boutiques comme j'avais dit dans ma vidéo précédente. Je vais y aller en fin de matinée, donc franchement fin de matinée, ça va être très très compliqué de pouvoir trouver des items Pokémon, surtout du Célébration. Je pense qu'on pourra peut-être voir du Évolution Céleste, car il est assez boudé en ce moment, étant donné qu'il y a le Célébration qui est sorti en même temps, enfin disons dans la même période. Surtout les ETB, c'est assez marrant, les ETB Évolution Céleste, on les trouve assez facilement, surtout pendant la période de Rush la semaine dernière avec Célébration. Donc je vais faire ça, je vais mettre quelques images de ce que j'ai trouver et puis je vous reprends tout à l'heure, tout après les images, tout simplement pour faire mon petit bilan de la journée. Ça y est, je viens de terminer les courses, le tour des boutiques, hein, tout simplement. Il y a un petit peu d'items Pokémon quand même, comme je vous avais dit dans l'intro de vidéo, de l'évolution céleste, on arrive à en trouver, même si j'ai pas trouvé de tripack. Il y en avait pas mal des tripacks la semaine dernière, ça part assez vite. J'ai pu voir les quelques petites Pokébox avec les évolutions d'Evoli, et ça c'est plutôt chouette. Les decks aussi, les decks Rayquaza et Bruiverne, je crois, quelque chose comme ça. Pour du Célébration, j'en ai pas trouvé. Il y a eu une livraison ce matin à Carrefour par rapport à l'offre de deux coffrets pour 40 euros. Mais bon, j'ai pu discuter un petit peu avec la personne qui s'occupait du rayon durant ce moment-là. Il y avait une quarantaine de coffrets, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc il y a du stock quand même. Quarantaine de coffrets et il y avait une vingtaine de personnes. Donc voilà, ça part très très vite, minimum deux coffrets. Enfin, je pense pas qu'il y avait de limitation, mais disons pour éviter qu'il y ait trop de bazar, je pense que ça faisait quoi deux coffrets par personne et c'était déjà fini, hein. Donc ça partait très très vite. Il y a encore des jumbos forcément. Les jumbos, ça reste, il y en avait pas mal. Les jumbos à 8 euros si vous les prenez en version individuelle, sinon c'est offert je crois à partir de 25 euros et sinon plus rien. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a du réassort un petit peu toutes les semaines. J'ai pu voir aussi que la semaine dernière, il y avait des livraisons d'ETB Évolution Céleste. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Celui qui cherche du Évolution Céleste. Sans compter que dans le mois prochain, on va avoir la nouvelle série qui va sortir.
Donc à voir, j'ai l'impression quand même que Evolution, que Célébration, ça reste une série qui est pas trop trop compliquée puisqu'il y a du renouvellement périodiquement toutes les semaines, hein. Voilà, il y a eu la semaine dernière, il y a eu cette semaine, je pense qu'on va encore retrouver du stock, sans compter qu'il y a encore des coffrets qui devraient arriver, comme le coffret Pikachu V Union qui a l'air d'être assez compliqué. On n'a pas trop de date exacte, semblerait que il commence à arriver en boutique, c'est assez compliqué. Je pense que les trois coffrets les plus difficiles qui seront à trouver, on va dire le TB qui part très très vite, la figurine Pikachu qui part aussi très très vite, et puis le premium, enfin l'ultimate, qui est une tannée, hein. Les boutiques en ont quelques-uns, 2-3, donc ça part super vite. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une petite ouverture Célébration. Voilà, j'ai envie de continuer cette magnifique série, moi je la trouve super sympa, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une série aussi chouette. Même Destinée Radieuse n'est pas au niveau de cette série là et franchement c'est pas pour nous déplaire. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien, ciao ciao.